بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شابيت 121، باب استحباب التوسط في اللباس. ان شابيت لو لفيك اللي مستحب وفاء التوسط لو لابيما توسط les sorties dans le mot wasata qui veut dire au milieu. Alors tawassut veut dire faire une balance. Choisir le juste milieu, ce qui nous appelle la modération. Ni dans l'extrême, ni dans l'autre extrême. Nous faire une balance quand nous habillons. Ça veut dire ni nous mettre ban linge extravagant, ban linge qui est extraordinaire, qui est bien cher, ni nous mettre ban linge qui est tellement bas, ban linge en nylon qui peut diminuer nos valeurs. ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجه ولا مقصود شرعي كي المستحب pour qu'un jimon li pas comment dire faire l'économie li pas tini la main li pas empêche les mêmes lo ce qui ban jimon blamé lo ce qui blamab mo peut dire comment dire un jimon capable blamli qui get ça li permettre l'instrocer. Il peut mettre l'ange extraordinaire. Donc, il n'est pas casse la tête avec ça. Une façon de dire, on explique ça. Sans une raison valable. Sans un hajj, sans un besoin. Ben, on l'a expliqué qu'il y a besoin là, capable du monde là, les misères. Il peut y avoir moyen pour lui offrir lui-même un linge qui est bien représenté. Par exemple, quand du monde vient de Jumma, il a besoin d'être un bon linge. Alors, si un du monde, il peut y avoir sa bon linge là, parce qu'il est misère. Alors, il dit ok, mais c'est moi, sinon, il est moustahab pour qu'il s'agisse de faire un effort. Il y a un bon recense là, je mettais, il gardait pour Jumma. Pareil, comme on a un bon linge, nous mettons costume quand on n'a pas le mariage, quand on n'a pas les autres places. Alors, ça, il est bon, il est moustahab, ça. Nous perdons une place qui est représentée. Il arrive Zouïd, nous avons besoin d'un bon linge, là, nous. Alors, nous avons un bon linge, nous mettons, ça, il est moustahab, ça. Comme ça même, il est moustahab pour acheter, pour mettre bon linge quand on a Jumma et dans les autres places encore. Qui n'a valeur. Alors, qui dit mon là, il pas, comment dire, tini la main, excepté si il a une raison valable. Par exemple, un hajja, comme Banu Lama mentionné, les misères, il peut n'a moyen. Et là, nous vous retournons ce qui nous dit hier. Finalement, titre là plus long qui hadith là, lui-même, nous vous retournons ce qui nous fin dire hier, nous fin lire hier dans hadith, qui un jimon les mustahab pour les kit ban linge extraordinaire, ban linge extravagant, ban linge qui bien sert pour tawadou an lillah, cause tawadou à cause l'humilité. Alors là, nous une cause de ban vertu là-dedans. Et il y a un élément qui nous oublié mentionner, et l'ibon nous mentionne ça là-bas, l'ibon nous mentionne ça ici aussi dans sa hadith aujourd'hui là, dans le chapitre pour aujourd'hui, qui fait parce qu'il y a une fois l'église là-dedans, les vins gâtent partout. Les vingat nous l'intention, les vingat nous l'habillement, les vingat nous présentation vis-à-vis du monde. Finalement, nous perdons dunya, nous perdons akhirat tous les deux. Perdons dunya, perdons sawab tous les deux. Qui a fait ça? C'est al-bukhl, c'est l'avarice. Du monde là, il peigne, il n'est pas content de dépenser. Il a envie juste d'économiser. Alors, ça a affecté le seul habillement. Il n'est pas content de citer le linge, il n'est pas content de citer le linge parce qu'il y avare. Et là, Léla, il embête lui-même. Et définitivement, il embête les autres du monde, faisant croire qu'il peut faire ça par l'humilité. Parce qu'il peut faire ça à cause des religieux. Alors, tout ça là, l'avarice qui ne rentre sur les quais. Il peut se la mettre lourd pour lui acheter. Alors, bien sûr, nous devons détecter ça aussi dans nous. Al-Bukhl, ça veut dire que c'est une mauvaise intention, ça. Du monde là, ni li pour gagner sawab, ni li pour gagner sa sawab mustahabla. Et ça pour faire dito, sa dignité vis-à-vis, sa réputation vis-à-vis du monde, il est pour tout le temps reconnu comme un du monde qui en aillon, comme un du monde qui pas mettre bon linge. Comme c'est dans Hazrat Ali, radiallahu anhu, il dit, du monde qui a vol, il intrigue moi. Pour zizli, comme un du monde riche, parce qu'il y en a. Un du monde qui a vol. Un du monde qui paye n'a pas pour dire, il y a vol, il pas vol, il paye n'a. Mais un du monde qui y en a, il est pas content de penser. Alors, pour zizli, parmi un du monde riche, parmi un du monde qui y en a. Quand pour zizli, il y a un qiyama. Les tiennes là, mais seulement les fins vivent comme a dit mon misère. Aux Isli comme a dit mon riche, mais seulement l'eau la terre, ils peuvent vivre comme a dit mon misère. Alors, al-bukhl, l'avarice, faut pas nous laisser glisser dans nos intentions.
Nous besoin d'être bien. Attention, moi peux dire, moi peux faire, moi même croire que non, à cause d'in, à cause d'humilité, moi pas pour mettre chacun à l'intérieur. Mais en vérité, il y a l'avarice qui peut empêcher moi acheter ça. Alors, ça c'est l'ireille des hajjas. Donc, ne pas faire, ne pas, comment dire, tenir la main, excepté si nous avons un hajja. Alors, comme on a mentionné ici, al-faqr, ça veut dire nous peine à l'argent, nous dans le besoin, mais pas l'avarice. Voilà, maqsoudin shara'i. Excepté s'il y en a une raison dunyawi, ou soit un maqsoud, ou soit un objectif shari'i. Shari'i veut dire qu'il y a pour faire avec sharia. Ça veut dire un objectif religieux. Alors, ben, l'ulama mentionne des objectifs religieux ici. Lisez ma warada fil hadith, comme une explication ici, ma warada fil hadith, min at-tawadu. En là-dedans, c'est at-tawadu. Alors, pour le hadith qui nous finit hier, du monde là, comment dire, par souci d'humilité, il dit non, mais laissez-moi mettre un linge qui simple. Ça, il vaut la peine. Là, il est mustahab, là, il est vertueux, là, il est en valeur. Une autre raison encore qu'il est capable, on peut se mettre un linge qui sert, qui est extraordinaire, c'est wattashabbu bi as-salaf as-salih, radiyallahu anhu. Quand il dit, laisse-moi faire pareil comme un salaf as-salih. Un salaf as-salih, c'est un sahaba, un tabi'in, nous avons une grande, nous avons une référence. Alors nous finissons beaucoup de hadiths, donc encore une fois nous pouvons faire référence à ce chapitre qui nous dit « Fadl al-jou'i wa khushunat al-aish » la vertu de la faim et la dureté de la vie. Donc quand nous guettons les sahaba, comment tu peux vivre, Rasoul Allah sallam, comment tu peux vivre, les ashab al-soufa, comment tu étais, comment dire, nous inspirer, nous dire « Ben non, laisse-nous faire un tigine comme nous autres, nous aussi. » Avec sa niyat là, elle les permet pour, comment dire, mettre un linge qui simple. Alors, et un autre grand élément qui rentre là-dedans, qui fait aller une mustahab, ce que nous pouvons trouver dans ce hadith-là. Alors, hadith 803, An Amr ibn Shu'aib, rapporté par Sayyidina Amr ibn Shu'aib, qui est un tabi'i, An Abihi, qui rapporte depuis son papa, An Jaddihi, radiyallahu anhu, et qui les rapporte depuis son dada, ça veut dire Amr ibn As, radiyallahu anhu, qui lit les tiens sahabi. قال لجيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجيء إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده الله certainement لي content كي نعمت كي لي فين faire لو سو بندا لو سو serviteur ça trouver l'oli Allah لي content qui, quand il finit de faire ni'amat, quand il finit de faire faveur ou en sobanda, ça trouver, ça manifester l'oli. Comme on nous lit dans le dernier ayat surah al-Duha, « Wa amma bi ni'amati rabbika fa haddith » Et en ce qui concerne, quant à ni'amat, faveur de ton Rabb, « fa haddith » mentionne-le. Mentionne faveur de ton Rabb. À cause ça, nous mentionner, nous faire i'lan, quand Allah finit une grande faveur, nous finavoy Rasulullah sallam nous mentionner, nous célébrer, finavoy telle faveur nous. Alors quand Allah finit une faveur, nous lui donne nous l'argent, ça bizarre trouve ça nous. Alors une des bonnes façons pour trouver ça, c'est nous mettre un habillement qui est approprié à ça. Allah nous donne moi l'argent, moi j'ai mon aisé, moi pas habillement comme j'ai mon misère, excepté bien sûr comme on en trouvé. Trois exceptions, si nous avons énuméré les trois exceptions, un, si nous avons besoin, ça veut dire nous dans le besoin de misère, mais là nous pas misère, on peut dire qu'Allah nous fait faveur à nous. Ou soit, dès les autres raisons encore, pour montrer l'humilité, et que deuxième, pour faire pareil comme un man salaf. Si peine à ça des raisons-là, alors ça a besoin d'entrevoir dans nous. On a besoin de mettre une qualité linge pour montrer qu'Allah nous fait faveur au moins. Alors là aussi, il y a besoin de dire que nous avons besoin de détecter tension. Il y a un poison qui glisse là-dedans dans le cœur, c'est Takabur. Khoyala, comment nous faisons trouver. Alors, du moment qu'il nous récite, si, qui peine à ça dans le cœur. Mon papa peut faire ça pour démarquer moi depuis les autres. Comment nous faisons trouver hier? At-tarafwa. Mon papa peut faire ça pour donner moi grandeur. Mon papa peut faire ça pour dire, et moi, mon pli bon qu'il est, moi, mon riche qu'il est misère. Moi, mon telle qualité, mon telle classe sociale, Lili, l'autre classe sociale. Moi, mon travail, telle place, Lili travaille l'autre place. Non, pas à cause de ça. Si il y en a ça, là, il vient bien grave. Mais, je peux mettre une qualité linge, parce qu'il y a l'un fait faveur, au moins. Alors, je peux mettre ça comme un
une manifestation, comme une expression de reconnaissance qui m'en a envers Allah pour qu'il me montre, pour qu'il me donne moi sa faveur là. Alors, tout ça fait là-dedans, il retourne l'oniyat. Important, tout ça fait retourne l'oniyat. Niyat là, plus important qu'il l'inz là, qu'il action là. Allah paget ce qui nous est là, paget nous les colis, il paget nos visages, Allah li get ce qui nous est là dans nos cœurs. Alors, il y a le grand imam, Imam al-Shadhili, rahmatullahi alayhi. Alors, lui, Imam al-Shadhili, il s'y met un linz qui bien, qui sert, qui bien représenté. Alors, un djimoun qui lit les nabis en aïon, il peut réprimander lui. J'ai dit que ça, linz, c'est, comment dire, il peut redire lui, mais un soufi, un djimoun qui supposait peut faire zuhd, un djimoun qui supposait peut rapprocher lui avec Allah, quelle qualité linz extraordinaire il peut mettre. Alors, Imam al-Shadhili, rahmatullahi alayhi, répond-lui, il dit, moi, mon linz, il peut dire, alhamdulillah. Alors, ça dit, il a habillé en aïon, il dit, toi, ton linz, il peut dire, donne-moi un petit kassaou, donne-moi un petit guin de ce qui, l'argent qui est là. On va dire, moi, mon linz, il peut faire louange à Allah, toi, ton linz, il peut dire, mansarité. Alors, il faut dépendre du monde, il met un qualité linz, comment dire, li dégrade lui-même les mettant ta tête linge en aillon, mais seulement linge en aillon les vient vertueux quand un djimoun les met ça avec niyat sunnat, avec niyat pour faire pareil comme à Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec niyat pour faire pareil comme à man sahaba, ou soit avec niyat l'humilité, mais seulement nous retourne le mot at tawassut, les bizar fait un juste milieu et la fois les pas approprié pour qu'ils nous mettent linge en aillon. Un djimoun invite nous par le mariage, nous ne pouvons pas mettre un linge en aïon, nous dire non, nous montrer l'humilité. Là, il n'est pas correct, il n'est pas approprié. Nous avons un linge, nous avons un linge, nous sommes capables d'acheter un linge, nous avons besoin d'une joie, nous avons besoin d'une linge zoïde, nous ne sommes pas capables d'habiller en aïon pour dire non, mais là, nous avons l'humilité, non. L'humilité là, peut-être nous avons montré les autres places. Mais là, nous avons besoin d'exprimer, nous avons besoin de manifester Allah sur la faveur qu'il est fait faire pour nous. Et quand nous pouvons mettre ce bon linge là, le bijan travaille nous l'équerre. Qui dans nous l'équerre est la reconnaissance envers Allah. Get ça, je peux mettre linge qui a l'un de moi. Allah me fait faveur au moins. Il finit de moi ça moyen pour m'acheter ça linge là. Aujourd'hui, Allah me fait faveur au moins. Il finit faire id vini. Il finit faire jour id vini. Alors, je vais célébrer ce jour id là pour montrer faveur qui Allah me fait au moins. Jumma aussi, c'est jour id. C'est id ou le sbou, id de la semaine. Quand je montre moi généreux, par exemple, j'invite ma famille, j'invite mes camarades, mes gens de misère, je fais un autre manger, je donne un autre bon manger, je fais un briani. Alors ça, ce n'est pas, je n'ai besoin d'assurer qu'il est définitivement pénata kabour là-dedans, mais je assure qu'il est dans mon lecœur et dans sa qualité l'intention là, qui Allah me fait en faveur, aujourd'hui je suis content, qui Allah me fait en faveur qu'il me fait au moins, je peux montrer reconnaissance, je peux envie manifester reconnaissance pour sa faveur là, Allah me peut faire du monde manger, parce qu'il donne du monde manger, c'est une grande action dans l'île. En même temps, on peut faire relation avec bonne famille, on peut faire sadaqa pour ben du monde qui pauvre. En même temps, on peut pratiquer un grand sunnat, Rasoul Salam tout le temps, l'indir, donne du monde manger. Donc, c'est expression de reconnaissance pour faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala fin fait l'eau. Donc là, vous trouvez, la ligne là, elle est bien fine entre péché avec vertu. Il est bien fin entre péché avec vertu. Donc, travail important là-dedans, c'est le travail qui nous est dans nos cœurs, c'est nous l'intention. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nous les cœurs, donne-nous tout le temps meilleure intention, qu'Allah protège nous depuis bonne mauvaise intention, depuis l'avarice, al-bukhl, qu'Allah protège nous, purifie nous depuis at-takabbur. Même s'il y a un tigin même qui Allah tient dans nos cœurs, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faveur à nous et lui donne nous tawfiq pour manifester, montrer nous reconnaissance pour sa manfaveur là. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.